Et c'est à tout, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va jouer, vous avez compris, Gran Turismo The Real Driving Concept à Tokyo Geneva. C'est vrai que ce sont des Gran Turismo sur lesquels on n'a pas beaucoup parlé. Il y en a eu plusieurs, hein, GT Concept, Prologue, etc. La version PS3 qui était disponible en démo gratuite d'ailleurs pas loin après la sortie de la console. Aujourd'hui nous allons jouer donc à celui-là. Franchement, alors l'introduction, ça faisait un bail que je l'avais pas vu, mais alors origine un bail c'est 10 ans. Mon dieu, que j'adore cette intro. Enfin, après c'est vraiment un goût personnel, alors franchement je vais juste parler de moi, mais oh, ce sample, cette présentation, oh, j'en ai des frissons, c'est trop énorme. Putain, alors qu'est-ce que j'adore cette intro. Ouais, j'en fais sûrement trop, c'est pas grave. voilà donc. Donc je disais, Tokyo Geneva, ben, ça nous permet quoi? Ça nous permet tout simplement de revenir un petit peu entre Gran Turismo 4 et entre Gran Turismo 3. C'est un jeu qui est sorti à peu près un an après le premier Gran Turismo sur PS2. Donc, ce sont des versions auxquelles à l'époque je n'ai pas joué tout simplement parce que pour moi c'était des add-ons, des versions rabais, des versions limitées. Ce sont pourtant des jeux qui sont quand même très bien puisqu'ils gardent quand même une base d'un Gran Turismo pour l'époque, donc c'était quand même pas mal. Mais avec des choses en moins qui pour moi étaient totalement impensables, c'est-à-dire par exemple comme on a actuellement sur Gran Turismo Sport, pas de mode carrière, c'est que du jeu avec quelques défis, etc. Bon, du coup je n'ai jamais acheté ces jeux, mais ce sont des jeux qui pourraient être joués si vous n'avez pas envie de mettre plus de 5€, parce qu'il y a quand même un petit peu de contenu quand même, et on peut découvrir des choses nouvelles par rapport à Gran Turismo 3 ou Gran Turismo 4 à l'époque. Donc, là je suis revenu en arrière. Mais concrètement, voilà, on a le menu options, on peut voir les gestions des ralentis, le crédit. Bon, de toute façon, c'est comme Gran Turismo 3. On dirait, en fait, c'est vraiment un add-on dans le sens où c'est la même base, mais on va intégrer des nouveaux modèles de 2002 auxquels on n'aura pas eu droit, en tout cas, dans Gran Turismo 3, qui pour moi est un jeu qui manque de voitures, Gran Turismo 3. Alors, je sais qu'à l'époque, il mettait beaucoup de temps pour concevoir les modèles, et c'est pour ça que le jeu, malheureusement, a été conçu avec que 140 voitures, je crois, quelque chose comme ça. Il y a encore 140 voitures sans en rajoutant les variantes, bon. Mais quand on y pense, Gran Turismo 3 est sorti vraiment tout par rapport à la vie de la console, la PS2. Il aurait pu sortir en 2002 avec plus de voitures, ça aurait été le jeu. Mais alors, oh là, déjà que ce jeu était super bien noté, ça aurait été ultime. Là, ils ont vraiment... ils ont voulu faire ça en deux fois, même en trois fois, bon, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, mais bon. C'est pas grave, c'est fait, de toute façon on peut pas revenir dans le passé. Alors, on peut pas commencer de course individuelle, il faut d'abord passer par le permis. Jusque là, on est logique par rapport au Gran Turismo. On peut faire un petit peu de pratique libre. Je vais en profiter, avant de commencer le permis, de vous montrer quand même les voitures disponibles. Alors, on a les circuits habituels, je crois qu'on peut en débloquer. Et vous aurez remarqué que par rapport à Gran Turismo 3, à Gran Turismo 2, Gran Turismo 3, oui, par exemple, on a Autumn Ring qui est revenu. On a Autumn Ring qui est disponible dans cette version du jeu avant que Gran Turismo 4 récupère ce circuit. Et c'est d'ailleurs là-dessus que nous allons rouler pour vous montrer un petit peu la première version next-gen de Autumn Ring. Alors, on a plusieurs catégories. On a les nouvelles voitures pacifiques, les nouvelles voitures version Europe, les voitures concept et les voitures de course. Et là, je vais vous demander d'avoir un œil attentif sur les modèles parce que certains modèles sont, étant des concepts, sont un hybride en fait entre la version finale qu'on a eu finalement les années qui ont suivi et leur version préliminaire. On va voir les nouvelles voitures du Pacifique. Et là vous vous rendez compte qu'on commence déjà avec du gros, avec une Ford Ka, c'est magnifique. Je peux pas dire que ce soit le genre de voiture auquel on s'attend, surtout que les Ford Ka sont sortis bien avant. Mais voilà, on a quelques Ford Ka. On a la Jazz. On a la Jazz, première du nom. Alors là, ça va être à vous, les spécialistes, hein, si vous aimez l'automobile, de voir les différences avec les versions finales du modèle. Sachant que là, ça reste des modèles finaux. Normalement, ça devrait ressembler comme la réalité. On a la Hyundai Coupé. Bon, effectivement, là, je la reconnais direct. Pour moi, c'est exactement la même. Pas trop de différence. Alors, ils ont fait quelques efforts sur la version 3D. Elles sont un petit peu, vraiment un tout petit peu plus détaillées que la version Gran Turismo 3. Mais c'est vraiment léger. Là on a la Mazda 6. Là on a l'IS300 chez Lexus. Alors évidemment on peut toujours changer les couleurs. L'interface du jeu est la même, hein, vous aurez compris. On garde le principe du 3. La musique de fond est pareille.
On a donc la Nissan Primera. Alors ça, c'était vraiment l'époque où Nissan était au fond du trou, les années 2000 jusqu'à à peu près 2006-2007, avec des modèles qui sont pas vraiment vendus. On a la Wheel VS. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout. Est-ce que c'est une voiture américaine? Est-ce que c'est une version européenne? Ça me parle pas du tout. On dirait un prototype. Bon, donc il en soit, on a droit à cette voiture. On a la Mitsubishi Airtrek, alors oui, bon, ça je la connais. Voilà, donc pourquoi pas. On a la SC430, donc là de Lexus, qui évidemment existe en vrai, hein, on l'avait. Alors oui, par contre, maintenant, par rapport à Gran Turismo 3, on a du décapotable. Ce qui permet, normalement, si on roule, de voir le pilote à l'intérieur. C'est ce que nous allons vérifier d'ailleurs, peut-être, j'espère, un peu après. On a l'Infiniti. D'ailleurs, on n'avait pas Infiniti dans Gran Turismo 3. Donc il y a quelques constructeurs qui viennent se greffer à la liste. On a la Nissan Skyline. Pareil, hein, c'était le moment où Nissan se cherchait un petit peu dans leur design. Bon, après, on aime ou on aime pas, il y en a qui vont adorer leur... Pourquoi pas, hein, chaque truc. Mais moi, je trouve franchement ça sans goût. Ça reste mon point de vue. Ensuite, on a la Civic Type R. Alors, c'est la Civic Type R avant les versions Civic qu'on connaît plus avion de chasse. C'est un petit peu la version 2000, en fait, que l'on a là. Je trouve que les effets de reflets sont super bien faits. L'Integra Type R, bon là par contre pas beaucoup de nouveautés, c'est juste une version restylée. On monte un petit peu l'arrière quand même. Bon, on sait que la vidéo va durer un petit peu de temps. Après il n'y a pas beaucoup de choses à montrer non plus, mais au niveau des voitures on va quand même passer un peu sur tout. On a la Lancer Evolution 7 GTA. Bon je vois pas trop la différence, si ce n'est peut-être l'arrière qui est un petit peu modifié. Ouais, l'arrière ressemble plus à l'Evo 8. On a la S2000, bon qui est toujours là. Par contre, je vois pas en quoi ils disent que c'est un nouveau modèle, alors peut-être que c'est un restylage, peut-être, mais alors c'est... là il faudrait vraiment comparer avec la version Gran Turismo 3 et la version du jeu. On a la Skyline, alors j'ai bien ici la GTR M-Spec, toujours en 4 roues motrices. Bon, on imagine que c'est une version un peu différente. Oh, regardez-moi cet aileron à l'arrière quand même. L'Impreza WRX Pro Drive Style, donc ça c'est la version 2001 en fait de la Subaru, ça a un peu évolué, mais bon, c'est un peu quand même la même voiture. Pour moi pareil, toujours, hein, chacun ses goûts j'ai envie de dire. Pour moi c'est la version la pire de la Subaru. Je préfère limite les Subaru qui ressemblent plus à les Subaru de l'année 2007-2009. Mais je trouve que celle-là, celle de version de 2001, je la trouve horrible. Quand ils ont commencé à changer vers 2003-2004, j'ai trouvé un peu plus jolie avec ses phares ronds, c'est bizarre. On a la RX-7... oh mon dieu, qu'elle est belle. La version Spirit A type A, donc bon, c'est une version en violet Innocent Blue Mika. Non, c'est du bleu, c'est du bleu. Oh là là. Mon dieu, qu'est-ce qu'elle est toujours aussi belle cette voiture. La Tipper. Donc c'est un peu la même variante. Je vais avoir ça peut-être un peu plus vite parce qu'effectivement on va passer la journée dessus. On a la Chevrolet, donc celle-là n'a pas trop bougé par contre, hein, c'est la même. Z06, bon pas une grosse variante j'ai l'impression. Et c'est tout, ok. On va passer du coup chez les modèles européens. On a la Golf GTI, bon alors, par contre je vais passer les modèles ultra connus quand même parce que ça me sait à quoi ça ressemble. La Lupo GTI. D'ailleurs, il y avait la coupe Lupo, il me semble, dans Gran Turismo 3. On a Clio. Alors, par contre, ça n'était pas. C'est la Clio Sport classique, modèle, ma foi, sympathique aussi. La SL500, en décapotable. Alors, je peux changer un peu la couleur, toujours. Hein. On peut même changer la couleur des sièges. Ça sert à rien, mais bon. On a la Elise, toujours présente, évidemment, chez Lotus. On a la Spitzer, qu'on avait déjà dans la version Gran Turismo 3. Normalement, il me semble. Hein. Des bêtises. Vous me direz en commentaire hein, si j'oublie des choses évidemment. La S-Type, vous n'allez pas me dire qu'on l'avait dans Gran Turismo 3, ça, Jaguar, je crois qu'on l'avait pas. Il me semble qu'on l'avait pas. La RS4, ok, donc les breaks de chasse, ça c'est vraiment des trucs qui accélèrent, mais mon dieu, les 0 à 100 avec ça, c'est des gros bourrins. On a la RS6, alors n'en parlez pas, on est encore un niveau au-dessus. On a la Vanquish de Aston Martin, alors ça par contre, je crois que c'est vraiment pour le jeu qu'elle est sortie. Regardez-moi l'effet des chromes aussi, c'est plutôt bien rendu. La RGT, ils ont toujours pas la licence Porsche, hein, on a toujours les roues RGT. La Tuscan Speed 6. Donc voilà pour les modèles Europe. On passe aux voitures concept maintenant. Avec la Nissan MM. Le concept de Micra, voilà la Micra quoi, bon enfin vous connaissez des Micra, il y en a partout. Donc là je vous propose quand même de voir la différence avec la version finale si par hasard vous avez une Nissan Micra chez vous. Ou une Marge G.
Là, on a une jolie dôme. Alors, par contre, je sais pas en quoi ils disent que c'est un modèle nouveau. Parce que pour moi, c'est un vieux modèle, quoi. Hein, on dirait le concept d'il y a 30 ans. La dôme 0. On a la Tarmac Z3 Mitsubishi Motors. Alors, ça, je crois qu'elle est sortie aussi. Mais c'est plutôt la Colt, en fait. Non, c'est la CZ. Oh, je sais plus quelle variante est sortie avec ça. Bon. Donc voilà la version concept. On a la 350Z que tout le monde connaît. Alors là par contre elle ressemble vraiment à la version finale. La première vision de la 350Z. On fait un petit peu le tour. Ouais ça ressemble vraiment aux lignes qu'on en a, lignes finales. On va passer du coup à la SL. Je sais pas du tout ce que c'est comme marque. C'est une MR. Kazaya Aria. Je vais même pas lire ce qui est marqué. Donc c'est une MR. Voilà moteur. Central. On a donc la RX8 évidemment, la seconde, enfin la remplaçante de la RX7. On a la Viper GTS Concept qui pour moi n'est pas nouvelle puisqu'on l'avait dans Gran Turismo 3 déjà. Et on a la Zonda S en 16 litres 3. Alors je vous propose de commencer par un coupé, juste pour vérifier ce qu'on me dit tout à l'heure parce que je vais sûrement oublier dans la vidéo. Donc on va partir avec une Mercedes. Par contre, je vais peut-être aller un peu vite. Non, alors c'était chez les européennes, hein, plutôt, je vais me tromper. C'est logique, Mercedes. On débile des fois, hein. Bon, allez, on va passer à la suite. En version rouge. Ah, oh, elle est pas mal comme ça. Après, chacun les goûts. Oh là là, bon, c'est pas grave, je vais la prendre en grise. Brian Silber. On a T. Alors, par contre, voyez, on a les aides au pilotage au choix. On a le traction control avec l'assistance. La SM, je crois que c'est l'anti... petit blocage... Alors je sais pas du tout. On va tout enlever. Je veux vraiment savoir ce que ça donne tout enlever. Parce que... bah voilà. On va simplement voir... Alors... La police d'écriture a changé dans les menus. Il y a quelques petites différences. Configuration des réglages... On voit les réglages quand même. Les réglages moteurs, tant qu'à faire. Et là on a normal, personnalisé. Ah, pas mal aussi. L'interface a un petit peu changé. On peut changer la hauteur du châssis, ok, on va regarder ça comme ça, les réglages amortisseurs, pneus. Donc c'est toujours aussi complet. On va laisser par défaut, hein. On va mettre en normal et on va commencer tout de suite sur le circuit d'Autumn Ring. Allez, c'est parti, je vais vous dire déjà si le maniement a changé. Alors là on n'a pas d'aide, hein. On n'a pas d'aide. J'ai appuyé sur l'embrayage. Et malheureusement, grosse déception, vous l'aurez compris, on est passé d'une décapotable à une voiture non décapotable, donc c'est un petit peu dommage. Alors j'ai pas fait attention, je vais être sur une modèle non décapotable, bon c'est pas grave. Faut vraiment que je me concentre pendant mes vidéos, c'est impressionnant. Donc là on n'a pas de traction control, on est sur le circuit donc de Autumn Ring. Alors ça pixelise énormément, hein. Je veux dire, il y a énormément d'effets parce que la console ne gère pas l'anticrénelage, hein. Sur la PS2 il n'y a pas d'anticrénelage. Et du coup, là, on a la version Gran Turismo 3, on va dire pas Gran Turismo 4, du circuit d'Autumn Ring. Oh là, je suis parti à la faute. Effectivement, traction control, ça glisse beaucoup plus. Alors, par contre, je n'ai que deux vues, je n'ai pas la vue intermédiaire que l'on a eu dans Gran Turismo 4, donc il n'y a pas encore cet ajout-là. Bon, par contre, la voiture est beaucoup plus joueuse, ça c'est pas mal. Alors on va faire un petit tour, là, juste un petit tour du circuit et après on va vite changer de voiture, on va essayer de faire le mode de... enfin le permis, comme ça on verra un petit peu qu'est-ce qu'il en retourne. J'espère que le permis nous permettra de voir d'autres modèles. Il y a quelques circuits comme ça qui manquaient dans Gran Turismo 3, notamment celui-là. Il y avait aussi le circuit de Grand Valley Speedway, ce qui me manquait c'était le High Speed Ring. Franchement ça m'avait beaucoup manqué parce que j'avais beaucoup aimé ce circuit sur Gran Turismo 1. Et le fait qu'il soit pas dans Gran Turismo 3, bah, je trouvais ça un petit peu dommage, donc évidemment il l'aura ajouté plus tard, mais c'était plus tard. On va faire start, on va faire quitter. On va donc... oui, alors la police d'écriture a vraiment changé. Les boutons sont beaucoup plus gros. Allez, nouveau record, c'est super, on va faire OK. On va passer, on a un mode ralenti toujours aussi... ah, toujours aussi sympa on va dire, hein. Toujours aussi immersif, toujours cool avec la bonne musique. Par contre c'est la même musique, hein. C'est vraiment la même...
la même bande son en fait dans le jeu, donc c'est un petit peu dommage, mais bon. Hein. On va revenir en arrière. Et on va du coup découvrir un petit peu d'autres voitures. On va revenir en arrière, on va faire... on peut jouer à deux joueurs, on peut jouer aussi avec le E-Link. Donc je vous répète un petit peu, E-Link, ça permettait qu'on était deux consoles sur deux télés. Et du coup, on pouvait jouer en écran LOL séparé à Gran Turismo 2 avec deux vrais écrans, voilà, si on pouvait avoir deux volants en même temps. On peut voir les statuts du jeu, d'ailleurs, on va voir ce qu'on a réussi. On a fini 0%, regarde ce qu'on peut faire. On est déjà 11. Donc du coup, on a les Tokyo, on peut voir qu'on peut gagner, on peut débloquer donc des choses en 3 variantes. Donc je pense que c'est le mode de... Ah, c'est peut-être 3 catégories différentes, peut-être mode course, je sais pas. On doit le faire sur tous les circuits. Et je pense qu'on débloque d'autres voitures, effectivement. Vous voyez, on débloque des bagnoles quand on réussit. On va faire retour. On va faire le mode permis. Alors, le premier permis, c'est sur Midfield Raceway avec la SL500, justement. Voiture pilote, oui, non. Suivez la voiture pilote, c'est un excellent moyen pour équilibrer. Bon, on va faire non. On pourrait le garder, mais on va pas le faire. On va voir du coup quel est notre objectif. Le chargement, petit tout pilote, est pas mal aussi, c'est plutôt sympa. Donc, on va faire un tour. Ok, bon, ben à mon avis, il faut faire un tour entier du circuit de Midfield Raceway sans se planter. Là, ça commence bien, hein. C'est pas du permis B, c'est directement du permis international sur laquelle on planche. Je ne sais pas du tout si les aides sont activées. Ouais, je glisse un petit peu de l'arrière quand même, donc je pense que non. Et là, j'ai perdu énormément de temps déjà. énormément de temps dans le... en appuyant sur le bouton embrayage. Donc effectivement, je m'étais pas trompé, on ne verra pas les intérieurs, c'est dommage, il va falloir attendre le 4 du coup. Espérons que Gran Turismo 4 soit un jeu intéressant et un bon jeu. Hein. Espérons qu'il y aura plus de 6 voitures en piste par exemple, que pour Gran Turismo 4 il y ait au moins, je sais pas, 8, 10, 12, 16 voitures. Ça pourrait vraiment être bien. Je pense qu'ils peuvent le faire, hein. Ils ont déjà fait ce Gran Turismo 3. Bon, vous avez compris, c'est l'ironie, hein, parce qu'en Gran Turismo 4, on sait très bien comment il est le jeu. Et il n'y aura toujours pas, pas plus de 6 voitures. Bon, ben, ça c'est autre chose. Alors, on va arriver dans le virage le plus compliqué, parce qu'il ne faut vraiment pas louper et pas trop sortir de la piste en accélération. Je me suis un peu foiré. Bon, on a quand même 10 secondes de marge, donc je pense que je peux y arriver. Accélération à fond. En fait, je me fais toujours avoir parce que j'ai toujours envie de changer la caméra avec le triangle. Et en fait, comme j'appuie sur triangle, c'est pas du tout ça, c'est le bouton R1 pour changer la vue. Bon, au 32, on a le bronze. C'est pas grave, on va se contenter de ça. On va faire continuer, voilà. Vous recevez un prix après cette course. Oh, qu'est-ce que j'ai gagné? Je n'ai rien gagné, c'est pas grave. On va faire du coup quitter. Ah, c'est un peu dommage, on peut pas passer à la suite. Ah oui, mais d'accord, parce que j'ai gagné quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Une Skyline. C'est une Skyline. Je parie sur une Skyline. Et voilà, c'est une Skyline, Painzoil, Zexel. Alors ils ont. C'est qu'on n'a pas vu les voitures de course. J'ai oublié ce détail. Mais en gros, ils ont mis à jour les voitures de course avec des saisons un peu plus récentes. Notamment le JGTC. Avec des voitures un peu plus à jour, mais ça reste les mêmes voitures. Bon. Et on peut voir la statue du jeu, voilà, que j'ai débloqué ça. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ah mais si je vais dessus, je peux pas choisir. Bon, c'est super, mais du coup ça m'oblige à chaque fois à revenir en arrière pour continuer le permis. On va faire la suite, on va faire le Tokyo... Oh, avec une jolie GT40, ma foi, c'est parti. On va garder... non, pas le pilote, on va se débrouiller. Donc là, en gros, vous allez vous taper du permis. Vous l'aurez compris. Pour après pouvoir faire des courses normales. Donc la GT40 sur un tour sur le R5. Ouh, ça va être compliqué. Parce que la GT40, c'est une voiture ultra compliquée à manier. Donc du coup, j'ai intérêt à. J'ai intérêt à bien la prendre en main. Déjà, quand elle part du cul, c'est impressionnant. Alors, le petit virage ici. Comment je dose les freinages, l'accélération, un peu tout pour éviter de perdre trop de temps.
Alors je pense que le jeu va être assez tranquille avec moi si je touche et j'effleure le mur. Mais logiquement si je tape fort, il va me dire non non là t'es gentil mais ça ton tour n'est pas valide. Alors ce qui est bien avec le permis évidemment c'est qu'on découvre. Oh ça va il est gentil. Oh le jeu est gentil. J'ai pu rouler trois seuls. Enfin mes deux du mur pour tourner. Là aussi hein, très très cool avec moi. Bon, évidemment je connais un peu le circuit quand même à force de les avoir fait. Mais c'est pas si évident surtout qu'on découle la voiture en même temps. Je vous avoue que les américaines ça n'a jamais été mon trip, c'est toujours des voitures très compliquées à manier. Voilà, là ça va être gros freinage. Prendre notre temps. Et regarde, je vais partir en tête à queue. Au dernier moment. Bon ça va, je vais faire un tour en 1,50, avec un peu de chance je peux l'avoir. Ouais 20 secondes ça va suffire. Bon j'aurais fait un tour assez nul. On n'est pas là pour le skill, hein, vous l'aurez compris. On va juste essayer de finir les épreuves pour découvrir un petit peu ce qu'on peut débloquer. Là, ça peut pas passer en fait. Non c'est bon, 44, 45, 46. Ils sont vraiment très très gentils pour le permis, hein, vous l'aurez compris. Et on reçoit un prix. Du coup on va revenir encore en arrière mais on va voir quelle voiture on débloque. Allez c'est parti, on passe quitter. Alors qu'est-ce qu'on a débloqué? Je sais pas du tout combien de la voiture hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah c'est une Hyundai, ok. Alors je sais plus ce qu'était cette version effectivement, ça me parle un peu, mais. Oh mon dieu, bon bref, c'est voilà, c'est une Hyundai qu'on a débloqué. Une Hyundai prototype je pense. Sur le permis, à nouveau. Attendez, j'ai débloqué déjà des courses? Ah, on a débloqué le course individuel, on a réussi un truc sur le permis. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Alors, on va faire Suisse-Alpes. Oh, avec une. Par contre, ça, c'est une nouvelle voiture qu'on n'avait pas avant, il me semble. Avec la. Avec une Toyota. Et on va donc. Faire un tour entier sur Suisse-Alpes. Ok, c'est parfait. Movie star. Movie star. Alors, très peu gens ont compris, je pense, l'allusion à ce que je viens de dire là. Mais bon, bref, en gros, pour explication, c'est le titre d'une chanson. Chanson japonaise. Donc, on va redécouvrir un petit peu le rallye, ça c'est pas mal. On va conserver les épreuves de rallye qui étaient. Franchement, c'est un truc que je trouvais ultra beau à l'époque. On a retrouvé Zone 3, bah, évidemment, à l'époque, on s'est sorti, hein, parce que maintenant, bon, ça a bien vieilli. C'était vraiment ça et Trail Mountain. Pourquoi ce circuit? Parce que bah, les dégagements de fumée, le mode rallye, etc. C'était super impressionnant. Faut se dire qu'à côté on avait Queen Mercury 3 et on sortait de Queen Mercury 2. Donc en termes de graphisme, c'était. Bon, Queen Mercury 2 était un jeu propre, mais là on en avait vraiment des effets un peu au-dessus encore. Et au niveau de la pose des voitures, il n'y avait rien à voir. Après, Mercury 3 est plutôt pas mal, mais franchement, Grand Prix 4 est plus joli, je trouve. Même dans son mode rallye, même si évidemment le jeu est beaucoup moins bon dans le mode rallye que Queen Mercury Rally 3 quand même. Pas exagéré non plus. Même si vous savez tous que le mode rallye des Grand Turismo, franchement, après le 4, ils auraient vraiment dû arrêter. Dans le 5, c'est nul. Dans le 6, c'est encore pire. Et alors, dans le GT Sport, je crois qu'il n'y en a même plus. Donc... je pense qu'il faut vraiment qu'ils arrêtent le mode rallye et que Gran Turismo ça vaut pas le coup, c'est super mal fait. Dans Gran Turismo aussi, je n'ai même pas essayé le mode rallye, enfin je l'ai essayé mais j'ai arrêté direct quoi, ça m'a vraiment, je vais me manquer, ça n'a pas bougé, c'est toujours aussi mauvais. Allez, on va faire quitter. Et on va voir ce que l'on a débloqué. Lotus, je pense que c'est une Lotus. Ta-ta-ta. Bah c'est une Lotus, c'est une... Ok, il y a marqué Elise, mais c'était un petit peu imbriqué, je sais pas du tout ce que j'ai gagné. Ok, donc on va débloquer, ok, bon j'ai compris. Apparemment il y a deux voitures à débloquer ce circuit par contre. On fera une course quand même, je vais pas vous infliger tout ça, reste qu'il y a quand même. On a le Tahiti Maze avec l'accent WRC.
une voiture que j'aime beaucoup d'ailleurs, même si bon, elle a pas eu vraiment de succès en rallye. Mais je trouve que c'est une voiture plutôt sympa, pas de l'avant mais de l'arrière. Et d'ailleurs en parlant de la Hyundai, cette Hyundai là justement, je ne sais pas si vous vous souvenez du prototype, enfin du prototype, l'annonce de Hyundai quand ils sont arrivés en WRC en 99-2000, de l'accent, enfin l'avant, l'arrivée de l'accent en WRC, ils avaient une livrée blanc, bleu et rouge. Moi je la trouvais super belle et j'étais tellement déçu quand en rallye ils ont pris une livrée toute grise ou une livrée vert-bleu. J'étais vraiment dégoûté. À la titre de comparaison, essayez de penser au Team Lada de WTCC en 2007 ou 2008 avec les voitures du Team Russe Polar, je sais plus quoi. Et vous aurez compris de quoi je parle. Ouh, alors à mon avis, celui-là il va être compliqué si on tape un peu fort. C'est-à-dire que ce tracé. J'y vais tranquille, hein. Il y a quand même 20 secondes de marge avec l'or. On va y aller tranquille, on va essayer de faire un tour. Mal. On va essayer de pas se planter parce que si on se plante on va devoir tout recommencer. C'est vraiment ce que je vais éviter. Voilà, elle bride un peu en montée, mais bon après c'est normal, hein. C'est vraiment une grosse montée. Voilà donc le rallye façon Gran Turismo, toujours aussi intéressant. Elle a des pistes qui font 14 mètres de large. Après ça reste fun, voilà, faut pas le prendre au sérieux, le mode rallye ça reste fun. Mais malheureusement dans les autres Gran Turismo c'est tellement passé du mode pas fun du tout que. Et puis bon ça commence à devenir des jeux censés être très réalistes. On est encore sur PS2, c'était plutôt bien fait. Mais en termes de réalisme, on commence. Les jeux sur PC commencent à être un peu plus. Et l'écart va se creuser de plus en plus, donc au fur et à mesure. Ça n'a plus trop de sens, enfin voilà, le rallye c'était plus devenu intéressant. En tout cas toujours aussi joli ce circuit. Hein. Je rappelle qu'on est quand même en 2002, ça reste quand même très propre. Alors vous aurez moins l'effet de pixelisation, bien sûr, par rapport à moi, hein, puisque la vidéo va lisser un petit peu le truc. Mais c'est vrai que ça fourmille beaucoup, c'est les mêmes défauts que de toute façon tous les Gran Turismo, enfin beaucoup de jeux PS2. Et on a eu le bronze, 2-0-7, c'est pas mal hein, pour un premier tour. Franchement on est fini à une seconde du bronze pour un premier essai. Bon, je connaissais pas la voiture donc c'est pas mal. Et alors on a débloqué quoi? L'arrière me parle mais juste... Oh on dirait une Jeep, c'est bizarre. Ah c'est une Infiniti. Ok, une Infiniti en version 4x4. D'ailleurs, je trouve que c'est un truc qu'ils ont pas trop mal encore en Europe. Enfin, pas trop mal, faut le dire vite, mais je crois qu'il y a quand même pas mal de gens qui en ont. On revient dans les permis. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on débloque des voitures, donc du coup, on peut voir un peu les voitures qu'on peut avoir dans le jeu. Moi, j'ai fini 10% du jeu, je crois, ou 15%. C'est le genre de jeu, évidemment, qui va pas se finir en 50 heures comme un Gran Turismo 3 ou 4, vous l'aurez compris. Mais du coup, c'est pour ça, comme je vous l'ai redit une dernière fois, que je n'achetais pas ces jeux. Allez, Lotus Elise sur le Tom Ring en version pas mini. Voilà, l'arrière un peu baladeur. Ok, j'ai pu passer un petit peu sur le côté, il m'a rien dit. Là c'est pareil. Voilà, non. Oh non, ça passe quand même. Ils sont vraiment super sympas. Ça, dans Gran Turismo 3, 2, 1, ça passe pas. Hein. Vraiment des cuts comme ça. Il te refuse totalement le tour. Alors peut-être que si je me prends un gros mur ou je crois pas comment la piste, peut-être que oui. Mais là j'étais quand même dans une situation où ça passait pas normalement. Voilà, et toujours le défaut des Gran Turismo d'époque, le son du dérapage. Qui est... Alors, pour 2002, ça va, ça passe encore. Mais ensuite c'était un petit peu ridicule. C'était un petit peu mal fait, voilà. Le son du dérapage, c'était un petit peu... On sentait que c'était... que c'était pas trop cohérent. Allez, on va arriver dans le dernier secteur. Bon, j'ai pas fait un tour exceptionnel, hein, voire même... j'ai plutôt fait un tour assez mauvais. Je prends vraiment mon temps. Bon, évidemment, les sons sont différents. C'est toujours la grande qualité du jeu. 3D au poil, son différent, moteur différent, maniabilité pareil. Voilà, donc c'est quand même toujours...
Ça reste un bon jeu, hein, mais bon, quand vous avez Gran Turismo 3 à côté ou Gran Turismo 4, bah ça fait pas le poids. Le jeu a été noté 14 d'ailleurs, je pense sur jeuxvideo.com. Alors il y a eu trois noms, hein. Il y a eu Concept Tokyo Geneva, il y a eu deux autres sorties au Japon avant, mais c'est plus ou moins le même. Hein. Alors on va faire OK. Et voir ce qu'on a débloqué. On va faire une petite course, on va faire un petit entre-deux. On va du coup voir la voiture qu'on a débloquée. Ouh, ça doit être une belle voiture. Ou alors ça doit être une sienne. D'une américaine. Ou une Concept NSX. Ah bah voilà, ouais, je vous l'aurais pas dit sans déconner. Alors, on va faire du coup une course individuelle. Il y a sûrement une chose à débloquer. Ah, un level pro, level non. On va mettre pro. Tant qu'à faire, on va quand même faire un truc bien. Et on a que ces circuits, alors je pense qu'on peut peut-être on peut débloquer après. Bon, faut du midfield. C'est pas grave, on va prendre. Prendre des voitures de course, histoire un petit peu d'accélérer. Et du coup, je vous ai pas montré, donc c'est parfait. Donc on a voilà l'évolution 7 en rally car version améliorée. On a l'impreza en rally car améliorée, je passe un peu vite. Hein. On a la 206 rally car qui était déjà présente. La NSX en version encore améliorée. Oh, elle est pas mal, hein. Foufou. La Arta NSX toujours présente. La Rebrig, je sais pas comment on prononce, NSX, c'est la même variante avec le petit sponsor avec en plus. La Penzol qu'on a débloqué tout à l'heure, la Calsonic, on a la Hiroto Shanavi. Ok, donc là c'est vraiment tout JGTC mis à jour. C'est rumeur, c'est pas trop mal aussi. Mais là toujours petite déception, regardez, on a la Falcon de Vite Supercar, mais on n'a pas la Commodore, donc c'est un peu bête. Du coup ça aurait permis de faire une petite série en même temps bien placée pour pouvoir faire du Vite Supercar, mais bon, il va falloir attendre un peu. Écoutez, on va prendre. Je pense que vous avez compris ce que je vais prendre. On va prendre la NSX. C'est parti. On va garder le ASM-TCS. Mode pro, mode sans Z. On va la faire bien. Toujours à la manette, bien entendu. Donc 6 voitures. Par contre, moi je vais configurer la voiture. Hein. On va pas faire le fou jusqu'au bout. On va faire personnaliser. Je veux absolument avoir des ailerons. Voilà, la portance négative. Ouais, vous êtes bien gentil, mais moi je veux de l'appui. Voilà. Rapport de vitesse maximale 320, oui, tout à fait sur midfield, faut peut-être pas déconner. Ah, par contre, ah, mais c'est inversé! Ah, c'est inversé, bah ben non, pourtant c'est négatif. Bon, on va laisser comme ça, si j'ai fait un mauvais choix, c'est pas grave. Ah, par contre, les pneus, vous allez pas m'avoir. On va mettre du tendre, je veux absolument avoir du grip. Et on va faire retour. Plutôt pas mal. Ce menu, franchement, petite évolution, c'est quand même correct. On va donc faire démarrer. Et on va jouer que contre du JTC, donc on sera au même niveau que. Vous l'avez compris, on pourra pas améliorer les voitures dans ce jeu, donc on va jouer avec des voitures du même niveau. Donc là, bah, c'est le skill qui parle, et à mon avis, je ne l'ai pas. Mais on va quand même tenter. Allez, c'est parti. Retour à faire. Oh mon dieu, ce ton de couleur, mais pouf, magnifique. Ah, le TCS en moins, alors là j'ai une brique, c'est impressionnant, c'est presque impossible. Allez, c'est pas grave, on va réaccélérer, on va quand même tenter. On n'a rien vu. Est-ce que je peux faire recommencer? Non, je peux pas. Je crois que je pourrais le faire. On va faire recommencer, parce que là vraiment... Vraiment, là, se planter au premier virage, ça le fait pas. Philippe Zenon, ouais, il y a quelques sponsors en plus aussi. Allez, c'est parti. Je ne connais pas la musique de fond, par contre. Ok, je fais la même bêtise, sauf que bon, cette fois-ci, je suis parti trop à la faute. Alors le maniement n'a pas beaucoup bougé, j'ai vraiment toujours l'impression d'être sur Gran Turismo 3. Donc on n'a pas le step maniement qu'il y a eu à partir de Gran Turismo 4. Distance de freinage, etc. qui était vraiment très forte. Là on est toujours dans du 3.5 Gran Turismo 3. Ouais, je freine, ça freine, enfin il n'y a pas trop de problèmes. Et je crois que j'ai dépassé ça. J'aime bien la version mobile 1 d'ailleurs de la NSX TR aussi. Oui.
Alors qu'il semblerait qu'il y ait une voiture qui ait oublié d'activer l'anti-patinage. D'ailleurs, je serais curieux de savoir s'il y a anti-patinage dans les versions de GTC japonais. Ah ouais, quand même. Ah, quand même, mine de rien. Pas facile. Vous avez remarqué que les couleurs des jambes sont pas la même. Elles sont jaunes derrière et blanches devant. Oh là là. Ah ouais. Là. Fou. Mais c'est bien. Enfin, on va dire, je suis nul, oui, effectivement. Mais c'est bien. Il y a un peu de difficulté. Et ça, c'est cool. Bon, on va quand même voir si on peut les remonter. Le jeu a tendance à ralentir un peu les IA quand on est vraiment mauvais, comme actuellement. Donc du coup, on va réussir de voir si c'est encore le cas. Je vous avoue que j'ai du mal. J'ai changé de vue parce que c'est difficile de conduire quand on n'a pas l'avant pour contrebalancer la voiture dans les virages. Donc là, on va essayer comme ça, voir si on est un peu plus à la fête. Rattraper dans le virage là. Oh là là. Comme elle glisse vraiment de derrière. Bon, je pense qu'on ne gagnera pas. Je gagne du temps quand même, 2 secondes, pourquoi pas. On va faire un gros freinage, on va pas mettre en V, tranquille, voilà. Ça a brouté un peu en première. Ouais, voilà, là je la sens beaucoup mieux quand même, rat de terre, c'est quand même plus précis. Du coup, ça permet de remonter un petit peu. Voilà, on les voit au fond. Donc, du coup, un tour ça va être compliqué quand même, mais bon. Ouais, le jeu est assez sympa. Enfin, je pense que les IA sont un peu plus lentes quand on est très loin. Ou alors, c'est vraiment. Je tourne plus vite qu'eux, hein, pourquoi pas. Quand même, j'ai pris 4 secondes dans le tour. Oh les, ça a décroché un peu de l'arrière, mais on a réussi à la tenir. En fait, faut vraiment pas arriver au point, au stade où l'arrière décroche, parce que là, ça devient difficile à rattraper. Faut vraiment être à la limite. Garder un peu de grip, j'ai encore perdu un peu de vitesse, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, à ce virage-là, que je puisse accélérer, et là je me suis loupé, je vais partir en tête à queue, ouais, malheureusement j'ai trop fait de bêtises. Bon, c'est pas grave, au moins vous aurez vu une course en contre les autres IA. C'est pas le plus grave de perdre. De toute façon, j'ai pas gagné de l'argent à la fin, en plus je vais gagner une voiture. Bon, c'est pas mal. Bon, ça reste du Gran Turismo 3, y'a pas beaucoup de neuf. Ok. Eh bien, on va du coup faire quitter. Et on va revenir en arrière. Écoutez, je vous propose, on va aller jusqu'à la fin du permis, voir un petit peu ce que l'on débloque en autre voiture. Puis ben, on s'arrêtera là. Hein. Enfin, je pense que je vous ai un petit peu tout montré. Attendez, si, un truc que je vais pas montrer. Au-dessus du jeu, non. Chaque fois, je vois défi, j'ai l'impression qu'il y a un truc en plus. Non, en fait, pas du tout. On va faire Midfield Race 3 avec la. Ah, bah, ça là aussi, c'est nouveau. Pour le DTM. Ouais. Alors, ça là, on avait la version dans Gran Turismo 4 de l'Audi A4 DTM. Cette version, j'ai pas souvenir qu'on l'ait. Enfin, en tout cas, elle était sponsorisée par Red Bull de souvenir. Là, c'est une autre version. Donc, je pense que c'est vraiment une version propre à cette version de Gran Turismo. Alors, on est en mode à l'envers. J'aime bien cette version à l'envers aussi. Bon, pas pour la remontée qui est pas très cool. Parce que la première, les poils. Ok, donc le jeu est totalement permissif, on fait ce qu'on veut, vous avez compris. On peut totalement sortir de la piste, il s'en fout. Ouais, donc c'est vraiment une version, bah ouais, que vous n'aurez pas dans les versions de Gran Turismo 4, mais avec Gran Turismo 3. Bon, après, ça va, il y a pire comme déception, mais c'est dommage qu'ils aient pas récupéré certains modèles, des variantes de couleurs par exemple, disponibles par exemple pour l'Audi en version DTM, puisqu'ils ont les deux versions A4 et TT. Finir le tour.
Toi, je fais un tour terrible. Par contre, l'or est quand même compliqué. Franchement, ouais, ils ont fait un truc compliqué. Regardez, je suis en 16. Ah, j'ai quand même avoir l'argent. Du coup, non, on va faire continuer. Vous recevez un préavis de cette course, bah, du coup, on va découvrir la voiture que nous avons débloquée. Ah, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir passer directement à la suite parce que là, à chaque fois, on... Toyota, la même version que celle de rallye tout à l'heure, sauf que c'est pas en mode rallye. Ah, c'est ça. C'est la Toyota qu'on a eu tout à l'heure. Qui, je pense, n'a pas eu trop de succès. Enfin, en tout cas, j'en ai pas vu beaucoup. Alors, peut-être que c'est un modèle qui a marché peut-être au... aux États-Unis. D'ailleurs, il faut se dire aussi un truc, là, on est dans les années où malheureusement il y a un standard qui va changer au Japon, et du coup c'est pour ça que le Japon fait aussi beaucoup moins de voitures sportives, de grosses voitures, etc. On est revenu au principe de la voiture cube. C'est parce que bah, les prix vont augmenter énormément là, pour les places de parking, pour la taille des voitures, etc. Et du coup, bah, les constructeurs vont commencer à un peu baisser le nombre de modèles sportifs, de berlines, etc. par rapport à ce que l'on avait bah, encore dans ces années. C'est vraiment une charnière. Après 2000, 2001, 2002, ça commence à se réduire et beaucoup de constructeurs vont en faire les frais d'ailleurs à ce niveau-là. Alors, on va faire le Tokyo R246 avec la NSX, pardon. Allez, c'est parti. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe, mais est-ce qu'on peut régler la voiture pour le permis? Parce que, mine de rien, ça peut permettre d'avoir l'or, hein, ce genre de choses, parce que je crois qu'on pouvait pas le faire dans les autres. Bon, on est à 200 mètres, est-ce qu'on prenne à 150 mètres, c'est bon? En descente? Ouais, parfait! Bonne tenue de cap pour la NSX. Donc une version un peu plus à jour, avec un aileron un peu modifié. Alors peut-être qu'un jour, si j'y pense, je vous ferai peut-être un comparatif des circuits, des voitures entre cette version et la version Grand Tourisme 3. Vous savez que j'aimais bien faire ça, j'ai fait sur quelques jeux un comparatif par exemple de la version bêta, alpha, ou etc. Et je pense que ça pourrait peut-être être intéressant. Enfin, si je vois vraiment la différence, hein, s'il n'y a vraiment aucune différence à part des sponsors, bon, je pense que ça ne serait pas trop utile. Ok. Ouais, donc je peux y aller comme un bourrin en fait. Ouais, ah ouais, ça va, ça passe. Bon, peut-être pour ça qu'on va réussir à avoir l'or facilement, parce que si je peux aller comme un bourrin dans le circuit, je vais être tranquille. Alors, elle a un peu plus de grip à l'arrière, mais du coup, effectivement, elle est plus difficile à faire rentrer dans le virage. Et bon, après qu'il n'y a pas de musique non plus, hein, quand on est en mode permis. Bon. Écoutez, on va le finir, hein, de 17 on est large. Et là, d'avoir un peu plus de détails quand même, je suis en train de poser la question autour au niveau des arbres, ça a l'air un peu plus fourni, mais il est vraiment léger. Hein. Même s'il y avait eu quand même quelques améliorations. Alors évidemment ce jeu ne vaudra jamais le prix d'un Gran Turismo 3 ou Gran Turismo 4, hein. Il ne vaudra pas 70€, 60€, 60 francs, 72 francs, 75 francs. Il ne vaudra pas ce prix là parce que bah voilà, ça reste un bon jeu, mais comme il n'y a pas tout, c'est tellement plus intéressant. On va voir ce qu'on a débloqué. On est combien? On a 46 minutes de vidéo. Je voudrais pas passer l'heure, vraiment. Ça sert à rien, de toute façon je vais tout vous spoiler au fur et à mesure que je débloque. Ça c'est une RX7 à mon avis. Ah non, bah non, je suis totalement mort, c'était une Toyota Supra. D'ailleurs, toujours aussi magnifique les Supra. Je sais pas ce que vous pensez d'ailleurs des nouvelles Supra, elles sont plutôt pas mal. Jamais GT86 par exemple actuelle, bon, évidemment elles ont un peu moins de charme que les premiers modèles, mais je trouve plutôt correct. Par contre la Supra j'étais un petit peu déçu, je préfère vraiment l'ancienne. Autant la GT ça va, mais alors la Supra un peu moins. N'hésitez pas à donner votre avis évidemment par rapport à ça, si vous êtes encore en train de regarder la vidéo, hein, ce qui est pas certain non plus. Alors, Swiss Alps sur une
Focus RS. Alors on va choisir quand même ce qu'on veut choisir parce que ouais, Neos, Nissan GTR Concept. Ah bah on va faire la Nissan GTR Concept, comme ça au moins on aura découvert des modèles un peu différents. Même le Mitsubishi je crois qu'elle est différente d'ailleurs, donc on va peut-être faire les deux, on va finir là-dessus. Et c'est parti. Oh, Concept GTR. Alors effectivement là par contre je serais vous dire qu'il y a pas mal de différences surtout au niveau de l'arrière entre cette version Concept et la version finale. Oh, ça passe, regardez, je fais ce que je veux. Il y a vraiment une différence, l'arrière est pas du tout pareil. Ah, pas du tout. Les phares sont restés similaires, mais le reste est pas du tout pareil. Je fais n'importe quoi. Alors, elle est pas maniable du tout, hein. Par contre, vous aurez compris. L'avant aussi est un petit peu différent. Surtout au niveau des phares. Oh là là, mon dieu. Bon, ça reste une voiture particulière, hein. Elle a toujours son charme. Bon, moi j'aime pas, mais, mais bon, après, je trouve que la version finale est plus jolie. Pareil, évidemment. Peut-être pour la droite quand c'est la verte. Bon, oh, je suis totalement. On a un petit bug d'ailleurs, un petit bug graphique derrière quand on est passé derrière les murs de pneus. Ouais, on fait ce qu'on veut, hein. Bon, écoutez. Hein. Et jusqu'au bout. Elle est vraiment pas facile, elle chasse énormément de l'arrière. Alors moi c'est une 4 roues motrices quand même, hein. la GTR, je sais pas si c'est le cas pour celle-là. Bon, évidemment, regardez, je suis très très loin, je vais même pas finir le tour en une 34. 31, 32, 33, ouais, c'était juste. Hein. J'ai été super nul. Très nul. Bon, on va recevoir un prix, du coup ça sera la dernière voiture auquel on verra le prix. Je pense qu'on va s'arrêter sur la dernière. Ah, quoique je suis bête en fait, on va essayer de le finir quand même pour voir ce qu'on débloque à la fin. Une Skyline là, on est d'accord. Ouais, parfait, bah c'est la safety car. Et du coup, on va quand même jusqu'au bout, on va faire les deux restants. Voire deux. Ce serait dommage de s'arrêter quand même à deux de la fin. On va faire le Date Image avec la CZ3 Tamac Rally Car, qui n'aura d'ailleurs jamais existé, il me semble. Ah oui, avec déjà le pre-skin de l'évolution 8. Avec ouais, ça inaugure en fait la nouvelle ligne Mitsubishi de la période 2003, 2004, 2005, quand même, même 2008 à peu près. Occasion pour moi de faire un petit aparté. Est-ce que vous connaissez le Mitsubishi Grand 10? C'est un monospace. Eh ben, c'est un monospace qui avait plutôt de la gueule, mine de rien. Il avait une face avant. Un peu comme la Evo en fait, bon moins sportive évidemment. Mais c'était un monospace, plutôt grand d'ailleurs. Bon, les ventes ont été anecdotiques en Europe. Je crois qu'il y a eu 150 ou 700 ou 800 modèles vendus sur toute la carrière du monospace. Et c'était un modèle que j'aimais beaucoup à l'époque. Évidemment, bon, quand j'ai aimé ce modèle, j'avais pas de permis, donc c'était un peu compliqué. Mais voilà, il y a de la très peu marché ce modèle, et quand je parle vraiment de la déchéance de certains constructeurs en Europe, bah justement on va parler Mitsubishi rapidement, c'est vraiment le jour pour en parler, et ben bah, Mitsubishi au fur et à mesure des années la gamme s'est réduite, et elle va l'être encore plus puisque Mitsubishi a annoncé que ils allaient se retirer en gros d'une partie du continent européen simplement. Enfin, j'y retirer c'est pas une retraite définitive. C'est que les nouveaux modèles, les nouveaux trucs ne seront plus vendus, on n'aura que les modèles classiques, je crois que c'est la Mitsubishi Mirage, enfin la Space Star. Il y aura deux vieux modèles aussi, la SX, et je prends encore le L200, et c'est tout. Et pour moi, c'est un scandale quoi, enfin je veux dire, je parle du Mitsubishi, mais ça peut être très bien le cas le jour où Nissan fait pareil, Honda fait pareil. Mais les gammes se sont énormément réduites chez le constructeur. Et c'est quand même super dommage parce que c'est un constructeur qui faisait quand même des voitures très très bien. Bon, l'âge d'or est terminé pour eux. Mais voilà, enfin, moi j'étais vraiment totalement déçu.
Alors si je vous parle de ça, c'est évidemment parce qu'on roule dans une Mitsubishi, hein, on devrait passer, on va parler dans le constructeur, j'avais pas pensé. Mais voilà. Donc du coup c'est un petit peu le coup de gueule. Franchement Mitsubishi, revenez s'il vous plaît, et revenez avec des voitures sportives, quoi, ressortez la Lancer, quoi, c'est comme Subaru, là, ressortez-nous une Impreza de fou en version comme à l'époque et revenez en rallye. Si un mec de ce qui s'arrête chez Subaru en rallye, ou Subaru Mitsubishi, revenez en rallye, s'il vous plaît, je vous en supplie, voilà. Faites quelque chose, quoi, laissez pas Hyundai remporter les championnats, non mais arrêtez, quoi. Bon, je suis méchant avec Hyundai, hein, ils ont une bonne, c'est une bonne équipe de rallye. Mais s'il vous plaît, quoi, revenez en rallye, s'il vous plaît, revenez. Même Lancia, hein, revenez en rallye, refaites des modèles, refaites des vrais trucs, quoi, parce que Lancia c'est pareil, c'est unique. C'est plus rien Lancia, enfin merde, y'a plus rien, quoi, chez Lancia, c'est. La Stratos, la Delta, non mais j'en oublie sûrement, mais s'il vous plaît, quoi, faites quelque chose. Faites quelque chose. Voilà, donc c'est le coup de gueule, j'aurais compris, hein. J'aurais tapé sur 4 constructeurs d'un coup. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. On va faire du coup la dernière spéciale du permis. C'est-à-dire avec la Focus RS, là, Suicide, c'était pas forcément ce qui m'engageait le plus, je vous l'accorde, parce qu'une RS, c'est pas très puissant. Mais bon, on va quand même la faire. Ça fait penser ce logo aussi au logo de Marvel et ça fait penser aussi à Sonic Team. Je sais pas pourquoi. Allez, ARS, c'est parti. Je vais me taire un petit peu quand même, j'ai trop parlé dans cette vidéo. On va donc, je vais vous laisser avec le bruit du jeu. Alors du coup, bilan de ces 30 secondes sans commentaire, je vais mettre à la ASMR, hein. Parce que honnêtement, les bruits autour de la voiture, les bruits de la terre, etc., ça m'a limite endormi, du coup ça m'a fait penser à ça. Non mais bilan de cette vidéo, bilan du jeu, bah, vous l'aurez compris, c'est un très bon jeu, qui manque beaucoup de contenu, donc c'est pas un jeu que je recommande par rapport aux versions de Gran Turismo. Mais si vous avez envie de découvrir d'autres voitures, tester un petit peu, revoir un peu le circuit de la montagne, tester des circuits des voitures prototypes, façon 2001-2002, bah ce jeu est fait pour vous, n'hésitez pas évidemment. Toujours un Gran Turismo et un Gran Turismo, c'est toujours agréable de jouer dessus. Voilà, j'ai que ça qu'à dire. On va découvrir la dernière voiture débloquable et on se quittera là-dessus. On va faire quitter, voilà. Et on va voir ce qu'on a débloqué. On a débloqué les TT, ouais, une DTT je pense, tout simplement. Une DTM. Et c'est cette version voilà qu'on a dans... Eh non mais c'est ça en fait qu'on avait tout à l'heure. Avec le Red Bull. C'est la même version. Alors j'ai rien dit. Parce que je pense qu'effectivement cette version, mais vu de ce côté là, je me disais c'est bizarre, il n'y a pas de Red Bull, donc c'est pas la même version, mais à mon avis non, c'est la même version. Donc quelle est cette version? Eh ben vous savez quoi, on va pas partir tout de suite. Regardez ce qu'on a débloqué, on a eu la course de pod. Je vais absolument tester ça. Alors j'ai vu des vidéos, hein, j'ai vu ce que c'était, mais je m'en souviens absolument pas. Voilà, on a, il y a un des cadeaux aussi à débloquer. Donc, on a la pod race en un joueur ou deux joueurs. Je veux absolument tester ce truc. voilà, bon, on va finir sur les vidéos, c'est un truc sympa, c'est cool. Allez, c'est parti. Transmission 1, on va mettre Padded, et c'est parti. Alors c'est une voiture qui était censée avoir des réactions humaines en fait, si je me souviens bien, genre j'étais des grosses bêtises, je voulais vraiment aller sur Wikipédia pour voir ça. Regardez, elle me remue la queue. Oh, ne sortez pas ça de son contexte, mais en gros, oui, non mais oui, non mais c'est vrai, en plus elle remue la queue quoi. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit?
Donc là, le pod il est en train de faire de la musique, ok, tout va bien. Alors regardez à quoi ça ressemble quand même. Ok, donc je pense qu'il m'indique le virage où il se trouve. Ok, bon. Quoi ? Retourner au... Alors attendez, ouh là là, j'ai rien compris. J'ai rien compris. On va juste le refaire une dernière fois. On va juste refaire une dernière fois. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, on la refait, on fait quitter. Et je veux lire ce qui a marqué, donc là on va se concentrer un petit peu quand même. C'est parti. Le stand est face à la rampe. Arrêtez-vous, mettez le frein à main. Le pod s'abaissera. Ok. Ok, ok. Ça va, on va faire ça. Alors, si j'appuie sur le R2, il se passe rien. Je teste quand même les touches, on sait jamais. Et il va prendre l'intérieur sur ce. Oh là, regardez, l'angle de virage est quand même compliqué. On va essayer de prendre l'intérieur. Et là, il faut que je m'arrête. Ok, donc ok, faut que je tire. J'ai pas vu ce qui s'est passé. J'ai pas vu ce qui s'est passé. En gros, je me suis trompé. J'ai appuyé sur le truc pour champ pour mettre aux notes, mais en fait, c'est. On va faire une deuxième fois. Le tour se fait en 50 secondes. Finalement, on l'aura fait la vidéo de plus d'une heure, hein, comme d'habitude. Alors, je sais pas quoi ça les bips. Je fais celui-là qu'il se passe rien. Bon, on va voir ce qu'il dit. Ok, il s'est abaissé, ok, c'est super, on est super content. Merci Polyphony de nous avoir fait partager ce genre de choses. Je ne comprends pas le concept, en gros il s'abaisse quand on fait, quand on utilise le frein à main. Ok, bah, j'ai envie de dire c'est la suspension hydropneumatique de la BX, hein, donc du coup c'était pas nouveau. Allez, donc bon, on est premier. Attendez, on va finir premier en plus cette course. On va finir sur un beau replay. Oh merci, en plus il m'a fait repartir. Regardez, il est 59 secondes et 48. C'est terminé. Parfait, on est à l'heure. Incroyable. Bon bah c'était Gran Turismo Concept Geneva Tokyo Geneva. Vous avez compris que j'ai dit tout sur le jeu. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. On va finir sur un petit replay. Voilà, on a une belle coupe, c'est super sympa. Et je vous dis donc à la prochaine. Ciao tout le monde.